Et on est parti pour le premier match face à Trailborgs, si le jeu veut bien démarrer. Pardon. Alors Trailborgs qui sont premiers pour l'instant, donc on est vraiment premier versus deuxième sur ce match là. C'est un match à pas rater, on est à l'extérieur donc on peut faire quelque chose quand même. On a, comme je le disais au début de stream, juste avant de démarrer le match, on a deux suspendus qui sont... Ouais, un des deux est assez grave, c'est pour ça qu'on se retrouve avec Lindqvist à gauche alors que normalement il joue à droite. Mais sinon, on a tout le monde et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et puis voilà quoi. On va tenter l'ordure. Alors je sais pas si vous entendez bien la musique qui est derrière. Ça va peut-être réduire le bruit pendant les matchs. Les supporters et les coups de sifflet un petit peu plus bas. Je vais pas couper la musique pendant les matchs, ça n'a aucun intérêt. Ah joli ça. Même sauver du corner, c'est très bien. Bon après, on a fait se prendre un but, mais bon. C'est plutôt bien. Un partout, au niveau des tirs. Donc pour l'instant, il se passe pas grand chose. J'ai oublié de faire les consignes particulières. Toi, t'es sous le coup d'une suspension. T'es bon ou pas? T'es un ostaciste, ouais, donc t'es le passeur. Allez hop, mauvais pied. Toi aussi, t'es un bon passeur, je suspecte. Most red cards. Alors, toi, typiquement, je vais juste te mettre un petit peu de pression. Toi aussi? Bon. Un peu de pression. Voilà, et maintenant il faut que je bloque les deux ailiers complètement. Enfin, il faut que je bloque les trois de devant, les quatre de devant. On les voit pas trop. Je vais juste leur mettre un peu de pression. Les tacler durement, ça n'a aucun intérêt que ce soit pour moi ou pour le jeu en lui-même. Parce que. Tout simplement, on va pas. On va se prendre des cartons rouges et des trucs comme ça. Voilà. On va voir si ça peut fonctionner, que ça peut nous faire revenir devant. Les passes. Voilà. Ils sont obligés de jouer long, ce qui fait que du coup on récupère la balle assez rapidement. Ouais, c'est limite. Ah, joli le centre. Oh, bravo, but de Russo. 1-0. 12e minute, juste après les changements pour les marquages et tout. Et ça paye. 1-0, première place pour nous, alors qu'on nous attend pas du tout là. Et tant mieux. Tant qu'on est le plus loin possible de la relégation, tant mieux. Il faudrait dire. Oula! Ah non, il faut que je fasse gaffe. Il y en a que deux tirs. Hein. Sur un de nos trois tirs, on a marqué. Allez, on va leur dire d'être créatif. Perdu, c'est pas ce que je voulais. Pitch. Shoot. Soyez créatifs, les gars. Voilà. Oh, ils ont la pression. Pas grave. Il y a 1-0, j'ai pas besoin de me presser. Oula. J'ai volé le ballon. Allez. Les gars, Yuxel et Tanus, là. Oui, la passe. Dommage. C'est joli, mais c'est dommage. Ubongo a pas réussi son coup. Et qu'une petite passe D, ça aurait été sympa. Ubongo a trouvé une voie. Oh, le but. Le 2-0. Le 2-0 pour nous. 2-0. Une petite victoire 2-0 contre les premiers. Et d'un seul coup, en fait, on n'est pas fermé la petite équipe de la poule, du coup. Mais plus l'équipe à battre tout de suite. 2-0 en 36 minutes,
C'est assez épique. En fait, c'est plutôt pas mal. On va probablement prendre un but en fin de première mi-temps, comme d'habitude. Genre là. Ça va, ils ont un tir à côté, mais... qui reste concentré. Sandström est tout seul. Bon go. Les deux ailiers qui se sont trouvés. 3-0. 3-0. Tiens donc, contre les Bruniers. Et ben, encore une fois, nous attend pas à cet endroit. On nous attend 14e. On est second, on est premier de la poule, en train de battre les premiers actuels. Ça pique un peu, on va dire. 3-0. Il va dire que c'était bien, mais qu'il faut pas qu'on... faut pas qu'on se dise que c'est fini. Voilà. Il y en a un qu'il faut que je prenne et que je lui dise. Fais gaffe au carton jaune. Les autres, je peux leur dire. D'ailleurs, c'était bien. Looks to switch off. Je vais leur dire qu'il y a plus pour le milieu de terrain et je vais leur dire en attaque, go. Voilà. Il y a Jarl qui a dit oh mon dieu, mais il dit n'importe quoi. On va surveiller Valentin, qu'ils prennent pas un deuxième jaune. Vers la 55e, 60e, on fera sortir pour éviter les cartons. Pour éviter les catastrophes, justement. J'ai rien à leur dire réellement. Marc me voit qui prend le jaune. J'ai rien à leur dire réellement. Donc Bandé qui est rentré. Perdu, pas le bon joueur. Il est où? Là. Et celui-ci qu'il faut qu'il sorte. Et Nova, bah, je vais faire pareil. Je vais sortir, je vais mettre mes lignes parce que de toute façon il a marqué un but. Et, ah, très bien. Allez, go. Et il me reste un changement pour plus tard s'il y a un blessé ou. S'il y a quelqu'un qui est vraiment très fatigué, on va le sortir. Pour l'instant, j'ai rien à leur dire. Mais... Une passe. Voilà, dommage. Le centre est pas beau. Donc... Ouais, il y a Isserman qui se retrouve hors de position et qui fait. Ok. C'est le troisième péno qui me provoque en 3 matchs quand même. Chaque fois qu'il joue, il y a un pénalty. Je sais, il y a 3. Hein. Non mais Sherman, est-ce que je peux le rentrer? Est-ce que je peux le sortir? C'est ça la question. Est-ce que j'ai quelqu'un sur le côté que je peux rentrer? DCDM. Yarl peut être à gauche. Ok, donc on peut remettre Lingvist à droite. On sortir et faire rentrer Catenacci par exemple. Voilà, Catenacci, allez go. Ce qu'on va faire. Donc ce que je disais, c'est Yarl à gauche. Lingvist à droite. Faire rentrer Catenacci à base de Sermon qui me fait faute sur faute, qui est pénible avec ça. J'ai dit, c'est le troisième penalty qui me provoque en 3 matchs. C'est fou de voir ça. Fou de voir un joueur qui me fait penalty sur penalty comme ça. Voilà. Eh, dommage. Allez les gars, faut y aller dessus. Là. L'action elle est anodine là. C'est vraiment genre, il y a rien. Il y a pas de pressing ni rien chez moi. Alors attends, bouge pas parce que du coup ça a changé de joueur. Et allez, allez. Ah bah non, les instructions. Les instructions pour eux. Alors, AMC. MCL, ouais. AMR, c'est plus ceux-là là, qu'il faut que je garde. Parce que du coup, il y a eu les remplaçants. Voilà. Il y a eu des remplacements de fait par l'équipe adverse. Du coup, on se prend deux buts parce que les élites traînent et c'est pas très bon.
Oh purée, la chance qu'on a. Ça tient ou ça tient pas? Ça tient juste, mais ça tient. On a eu chaud. Oh. Regardez, c'était bien, que ça aurait pu être mieux. Mais bon. Deuxième match du stream contre Broma à domicile. On a gagné au précédent match 3-2. Difficilement parce que la fin de match a été vraiment compliquée. Mais on l'a gagné, c'est le minimum. Donc voilà. On va essayer de d'y aller. On va pas oublier de faire les oppositions instructions. Alors l'homostasiste généralement jeudi. Marquage. Les pieds. Je suis pas certain. Tu dis ça, mais je suis pas certain. Ce sera plus efficace pour prendre des cartons rouges, oui. Donc, marquage et pressing. Les deux attaquants. Voilà. Et pareil ici. Je vais mettre sur le mauvais pied également. 1, 2, 3, milieu droit. Ok. Je vais mettre sur le mauvais pied. Il veut que je tacle dur sur certains, mais. Ça, moi je vois aucun intérêt d'ailleurs. Oups, pardon, c'est passé. Si, lui. Lui, non, lui c'est bon, c'est lui qu'il faut que je reste tranquille. Voilà. Ces 4 là, il y aura les instructions spécifiques au poste, comme ça. Les mecs qui rentrent, s'ils rentrent à cette place là, ils auront les mêmes trucs et on les verra pas. On y va. Allez. En espérant que ce que je viens de faire, ça fonctionne bien. Pour justement garder les joueurs sous clé en face. Du coup. Ouais. Pour l'instant, il se passe rien. Qui c'est qui a la balle? Broma, évidemment. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. Allez, mon bongo, faut y aller. Bien, c'est bien. Hop. Bien vu. Bien joué. Alors, une vis commence à prendre des cartons, vous voyez, ça. Non. On joue pas directement. Déteste jouer direct. Je perds les ballons systématiquement. Déjà que là, c'est pas évident. On a vu un semblant de moment fort. Tanus a surveillé parce que la dernière fois qu'il a pris un jaune, il a pris un rouge juste derrière. Allez, Russo. Bien vu! Oh là là, la passe! Et plus qu'à finir. Et malheureusement, ça finit pas! Ça finit pas! Malheureusement. Manque la finition, hein, c'est toujours pareil. Piètre tir 3 qui a dream. Rien à se mettre sous les dents, sous la dent, vraiment. Oui. Pof, but. Hors jeu, mais but. Avertissement sans frais pour Broma.
Le Nova était mal placé sur le coup franc, je l'ai vu vite en jeu. Ok, alors avant de faire quoi que ce soit. Non, après avoir fait quoi que ce soit. On va faire mieux. Donc après ça, toi, fais gaffe au carton jaune. Toi. Oups, pardon. Pas le bon bouton. Toi, fais gaffe au carton jaune. Le reste. Pas mieux faire. Est-ce qu'on va faire un 0-0? À le tenter. On va mettre Seger. Et Lundqvist, on a Sermann. Alors toi, si tu me provoques un penalty, je te vends à la mi-saison. Comment ça vient faire 3 pénaux sur 3 matchs différents. Chaque fois qu'il est là, il y a des penalties quoi. Oui, c'est un jaune. Ça s'est endormi. Et ça s'est endormi. Mais j'ai oublié de faire le dernier seul. Bah tiens. Rishiki à la place de Rissou. Because why not? Il voulait jouer un peu, il va jouer. Bon, après je me satisfais du 0-0 j'avoue, mais bon c'est toujours mieux quand on peut gagner un match hein. Ah joli ça. Oh il s'est emporté, il a tiré au-dessus. Oh. Dommage. Ils arrivent à s'en sortir, hein, c'est... Ah, il l'a pas vu, heureusement. Olé ! Bravo, gardien. Monsieur Lamine Sarr, j'allais dire. Alvin. Lamine Sarr qui vient arrêter le ballon. Il y en a des soucis quand même. On n'arrive pas à jouer. On n'a pas vraiment mis en place notre jeu et ça se voit au score. Hein. 0-0, on a dormi un petit peu. Oh joli ça! Ah c'est bien vu ça. Elle sent peut-être ça s'est désiré. Là elle sent peut-être ça désiré. Donc le centre a été très mal fait. Le problème étant que bah, on n'a pas grand monde. Et Sermann, c'est penalty ou jaune. C'est pas un match sans qu'il y ait un problème. Penalty ou jaune. Bon, bah 0-0. Dommage, on aurait pu faire mieux. J'ai oublié de baisser le son. Le troisième match face à Norby. Norby. Bridge de player. Et on va il dit ça, il faut que je fasse ça. Oups. Lui il va dire de tacler fort et j'ai pas. Non. Limite si tu veux l'énerver parce que carton jaune, tu peux le presser vachement. Si
c'est New Terrain Warrior qui est la meilleure personne. Most Red Cards. Non, j'ai pas eu une tackling, je l'enlève, merci. Donc toi c'est pareil. On va te marquer, on va te presser un petit peu. Et du coup, là et là, on fait pour le poste, c'est full. Non, pardon, pas ça. Ça marche plutôt bien. On gérera pendant le match, ça dérange pas. Let's go. Donc Norby. Non, on est premier pour l'instant. Encore une fois, on n'a pas besoin de la première place techniquement. Je regardais tout à l'heure, il faut 35 points, on est à 20, donc il me faut 5 victoires. Plus 5 victoires et on est sûr d'être maintenu, donc voilà quoi. Après on peut tenter, hein, pour tenter la montée, mais comme je disais également, c'est compliqué parce qu'il va falloir assurer derrière de pas se faire prendre de pas se faire prendre certains joueurs, mais surtout aussi et surtout de pas redescendre automatiquement. Donc si on monte, il faudrait qu'on se maintienne juste au-dessus du barrage ou juste au barrage. Et c'est là que ça va être compliqué parce qu'il va falloir refondre toute l'équipe complètement. Alors complètement. Enfin, refondre le staff. Complètement. De toute façon, il va falloir que je le fasse aussi à la fin de la saison. Enfin, refondre tout le staff. Au but de nos voix, du coup, pendant qu'on discutait. Enfin, refondre tout le staff. Il va falloir refondre. Enfin, il va falloir faire du grand ménage dans les joueurs pour pouvoir jouer un peu plus haut au niveau de la saison prochaine, ou si jamais on a la la promotion, bah pareil, essayer de se maintenir même tant bien que mal quoi. On n'est pas non plus là dans le top tier, donc bon, voilà, mais on n'était pas top tier cette année, on est en train de surprendre absolument toutes les équipes du championnat, donc non, la présentation de la saison n'est pas tordue là du tout, donc du coup oula, c'était limite ça. Mais ouais, on est pas attendu à cette place là du tout. Et bien ça, lui sert à beaucoup. Il aide énormément à tenir la défense. Je pourrais couper les sons, mais non, j'ai pas envie. Pas ici qu'il faut que je coupe. Ah, du coup. Bien vu ça, Nielsen. Oh là là, la passe. Les passes. Nielsen qui fait la bonne tête et puis l'autre qui fait une passe de bouse. Juste derrière quoi. Je sais pas qui c'était, mais. La passe pourrie quoi. Laisse tomber Mudongo. On me voit encore. Ouh. À côté. Alors Rushiti sera titu ce prochain match. Avec Melvin. Donc bon. C'était bien. Ça veut dire que c'était bien, mais pouvait faire mieux. Faire encore mieux. Essayer de les pousser un peu, il y a 1-0, il faudrait marquer un deuxième but. Ouais, je suis pas inquiet, je peux laisser comme c'est pour l'instant au niveau de la mentalité, mais si jamais je vois qu'on a un peu de mal, on passera à l'attaque. Mais 14 tirs, 8 cadrés.
Ça va. Oula, attention, on n'est pas bien. Oh, ok. Allez, faut sortir de la ligne. Oh, le but. Oh, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse, pardon. Ça va m'énerver. Je veux pas qu'on se fasse égaliser. Monsieur, il m'a dit Sandstrom est pas bon. Ok. J'ai vu que Rushiti pouvait passer à droite, hein. Enfin, à gauche ou à droite. Allez, let's go. Tu veux jouer? Montre-moi que tu sais jouer. Au foot. Allez. Une passe. Voilà, c'est bien. Ouais, joli ça. Boum. Un peu plus tôt. Prochaine fois. Faut pas attendre qu'il te soit sur le gardien pour la mettre, celle-là. C'est de voir qui tient. Comment ça se fait que j'ai vu qu'il frappe? Ah oui, parce que... Non, bah non, il est encore sur le terrain. C'est Russo, normalement, les corners. Normalement, c'est Russo de deux côtés pour les corners. Si le jeu va arrêter de laguer, merci. Ah non. J'ai oublié de l'erreur d'animer. Voilà. Les prochains corners, ils sont peut-être un peu mieux tirés. Ok. 71e minute. Ouais, ça va devant. Derrière Nielsen et Bond, ils font un peu de la bouse. Donc Valentin, tu vas rentrer. Pour l'instant. Et Nielsen, est-ce que je le sors? J'ai personne pour le remplacer. Donc il faudrait sortir. En gros, il faudrait faire ça. Tac. Tac. Voilà. Allez, on est parti. On va demander plus, écoutez. Hein. De pousser un peu parce que là même un partout contre les 7e pas terrible, pas partir en full attaque, mais joli quand même. Ah bah voilà, change de tir à corner, ça fait but 2-1. Et ben il fallait aller chercher un corner en toute fin de match. Pas se déconcentrer, mais bon. Squish les lignes. Faudrait peut-être le tacler ou quelque chose. Vous allez le laisser passer là jusqu'au bout ou quelque chose comme ça. On va descendre un petit peu. On a été la chercher la victoire, hein, quand même. Ça n'a pas été simple, mais. Mais c'est marqué, c'est gagné. Notre quatrième match contre Werder, ils en sortent d'un 2-1 un peu compliqué, poussif, mais qui a très bien fonctionné. Donc on verra. On a le retour de Alas parce que. Effectif complètement remanié, donc ouais, Alas momentanément de retour malgré le fait que seconde div, donc toi je vous garde, toi c'est carton, carton, donc on va juste te mettre la pression et le reste, pardon, mauvais bouton.
Ah, c'est la mauvaise personne. Pas besoin de ça. Hop. Pas besoin d'attaque. Bon, évidemment l'équipe est moins bonne, donc notre équipe sera moins... Merde, je suis oublié de hand pour ce soir. C'est pas trop grave, allez. Normalement notre équipe va moins bien se débrouiller que d'habitude, parce que les joueurs sont un peu moins bons. Mais... Oh là là, le tac. Le tac stupide. Oh là, avec les tacs qui servent à rien. Là. Koski qui joue, tiens. T'as pas vu Göransson aussi? Hein? Ça va. Bon, joli ça. C'est bien contré. Oh, petit Alas qui vient jouer. Joli, magnifique passe. Oh là là, la passe! Les deux passes sont super jolies, je trouve. Le changement d'aile est magnifique, par contre, sur la deuxième, mais... Waouh! Là-dessus, le paf! Ping la passe juste au bon endroit. Et ça fait 1-0! Ça fait un petit but à 0. Ouais, il y a Valentin qui prend un carton. Après, ça dort un peu. Là. On est réveillé. Oh, activité les gars. Passe. Ah, ça aurait pu. Ça aurait dû. Oula, mais ils sont rapides. Là. Le seul que j'ai pas mis en marquage. Mais ils sont ultra rapides par contre. En face. À peu près 20 ça. Passing to space. On va chercher les 7 pistes. Ah, très bien. Mix. On va faire des low cross parce qu'on a vraiment pas grand monde. Devant. Il y a Alas qui est pas trop mauvais de la tête. Mais bon. Allez go. Par contre on est acculé, c'est affolant de voir ça, ça. On a du mal. On a du mal à sortir. On a vraiment beaucoup de mal à sortir. Après ils sont chez eux, c'est pas surprenant. Mais vraiment énormément de du mal. Vraiment du mal à sortir de là. Dommage. Là par contre, vous êtes deux par niveau. Après c'est une équipe bis-bis, donc forcément on va avoir un peu de mal. Comme je disais tout à l'heure, on a fait énormément tourner. Et encore, lâche pas. Pourquoi tu fais une passe là? Aïe aïe aïe. Peut-être que c'est le défenseur qui la récupère, remarque. Mais... Si c'est le joueur qui refait la passe derrière, pourquoi? T'as bien vu que c'était bouché par là, non? Bref. Ok, Catenacci qui n'a pas toute fois que de balancer le ballon devant, mais attention. Oh! Ah, il l'a tenté. Il l'a tenté. Ah, le petit coquin, il a tenté. Il a tenté de marquer un but là-dessus. Aïe aïe aïe, il s'est passé devant tout le monde. Oh! Voilà, reviens derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'il est mis. Et tu sais pas ce qu'il a tenté. Ok. Ah non, Krizic, il est bien en... Normalement, j'ai le marquage dessus, mais bon. Bref. On va leur dire que c'était bon, mais que ça peut être mieux.
Après, effectivement, comme je disais, c'est l'équipe bis, donc c'est vraiment compliqué. Ils sont moins bons que l'équipe A. Mais... Enfin, y en a qui sont moins bons que l'équipe A. Ouais. Il y en a d'autres qui ne sont pas. D'autres qui sont pas aussi mauvais qu'on pourrait s'attendre à ça pour une équipe B. Une équipe bis, pardon. Une équipe B. Et j'ai gardé le gardien. J'ai pas fait tourner. Petite passe. Voilà. Toujours sortir la défense. Toujours autant de mal à se procurer des occasions. Le truc avec Metamiodef là, c'est que ça servira pas à grand chose. Ça servira à rien parce que c'est toujours, ça vient toujours des côtés et c'est mes latéraux qui défendent pas. Qui défendent mal. Donc, au centre ça va à peu près quoi, c'est pas... Arrête de perdre des ballons comme ça. Non, j'ai cru. Dang. Ouf, les milieux de terrain. Zéro quoi, même le milieu gauche quoi, zéro les trois là, plus personne. Par contre, je ferais regarder qui c'est qui est en défense sur lui là. Techniquement ça doit être Sherman, ok. Il y en a un qui est là ? Ah, je veux voir qui c'est là. Ah, j'ai pas le temps là. Parce que il se fait le joueur c'est beaucoup vite. Il se fait énormément oublier depuis tout à l'heure. Hein. C'est, je sais pas qui c'est qui est censé être en défense sur lui, mais il est jamais dessus. Hein. Après, ça peut être Abramson, mais j'ai l'impression que non. Ouais, tu vois, 6-40, c'est bien lui qui fout le bordel là-bas. Le problème, c'est que j'ai pas de défenseur à droite. Quoi. Pas de défenseur à droite sur le terrain ni sur le banc. Bon, déjà, je vais remplacer lui, je veux pas un rouge. Ah là, je m'en doutais. Déjà, il n'est pas vraiment à sa place, mais en plus, il n'est pas trop bon en temps normal. Donc, c'est logique qu'il n'y arrive pas. Ouais, attends, je vais sortir Göransson au moins. Peut-être Koski a un petit peu de soucis, mais on verra. Je vais au moins le faire sortir là et je vais assassiner tout le monde. On n'est pas censé perdre ça. Il veut sortir ? Ah. Est-ce que j'ai quelqu'un en défense ? Oui, j'ai Nielsen du coup. Bah j'ai Nielsen. On va faire rentrer Katenachi. On va faire sortir Katenachi. Tant pis qu'après un coup. Et puis on va finir comme ça. Il y a des matchs comme ça, tu peux pas gagner. C'est...
Bjork. Et chez qui il est rentré d'où lui? Il est rentré à la place de qui? De Asuro. Et quel deuxième attaquant? Je peux pas faire grand chose de plus, hein. J'ai plus rien. Si à l'extrême limite. Vraiment perdu pour perdu quoi. Recentrer à l'as. J'ai dit recentrer. Ah, il va me faire chier. Mettre le troisième. J'ai dit mettre le troisième. J'ai dit... Là. Mais, hein, mais c'est pas vrai ça. Là, mets-moi le troisième là-haut. Voilà. Maintenant, tu me mets à l'as au centre. Tu me mets Rushiti en advance. Tu me mets Alas en target. On attaque. Est-ce qu'on va le recentrer un peu? On met un attacking mid d'attaque. On met un CM d'attaque. Toi, tu vas rester comme ça. Et les fullbacks, on va les passer en wingback d'attaque. Perdu pour perdu. On va le tenter. On va tenter de pousser, hein, tant pis. Tant pis, plus délié, et puis on va tenter. C'est ce que je dis. Tu vas pas gagner. On a tous les joueurs de marqués partout, de... Non, ça marche pas. Eh bien, on va faire comme nous demande l'assistant régulièrement. On va y aller directement. On va faire du direct et puis. Tant pis, on va perdre la balle 52 fois et puis c'est comme ça. On va monter. Monter. On va faire les hors-jeux et puis. On va y aller, tant pis. Et puis, tant qu'à faire, on va mettre des cartons et puis c'est pas grave, allez-y. Il reste 10 minutes, on peut prendre 52 cartons. Rien du tout, on a rien eu du tout. Rien, il s'est rien passé en seconde mi-temps. Tu vois, on était déjà à 9 tirs, 4 cadrés à la mi-temps. Il s'est rien passé, il n'y a pas eu de réveil. On prend le deuxième but, on est resté comme ça. Il s'est rien passé quoi. Enfin bon. Et on y a dernier match du stream après une défaite 4-1 assez lourde et assez stupide. On va essayer, faut rebondir. Il aime bien juste mettre les tacles lourds, hein, il fait mieux avec ça. Il met la mer. C'est... Totalement stasiste. Ok, donc toi t'es marquage, pressing. Mauvais pied. Et je veux ça pareil là-dessus. J'ai encore oublié de descendre le son sur le jeu. Ah, tant pis. Au moins mettre la pression sur l'EDM. Et un des deux là.
mettre la pression sur les deux centres. Pas besoin de faire autre chose, juste mettre la pression. Faut vraiment un pressing sur le milieu de terrain pour éviter de manger et d'en prendre plein la tronche. Oui, ça commence. On peut reparler du pénalty là, enfin. J'en ai marre quoi, je me prends des pénalty tous les 5 minutes quoi. C'est pénible au bout d'un moment. On n'arrive pas à passer. Ah, ça y est, on a enfin une frappe, dis donc. Mais non, mais pourquoi? C'est quoi ces longues passes là? Ils sont pénibles. Encore. Voilà, tant pis, c'est pas grave, tacle-le, casse-le. Ok, cool. Il faut y aller là les gars. À un moment, je peux pas tout faire moi sur le banc. Il va falloir monter un truc quoi. De réduire un tout petit peu le tempo pour essayer d'avoir des meilleures passes quand même. Passing to space. On peut tenter un shoot on site au cas où et play for cette piece. Ouais, non, mais pas, je vais rien faire d'autre. Essayer de faire remonter un peu la ligne défensive pour essayer de. Tout simplement pour essayer de marquer des buts, mais bon, il faudrait déjà qu'on ait des frappes. Apparemment, même avec shoot on site, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant la surface. C'est-à-dire qu'on est chez nous à chaque fois. Et merde. Ah voilà. À un moment, faut arrêter les coups francs. Oh, j'en ai marre des mecs là, ils se prennent les cartons. Putain, c'est pénible. J'ai l'impression qu'ils le font exprès. Il n'est pas simple de gagner le match, de faire un nul si les mecs ils se mettent à prendre des cartons dedans. Ah mais but de Mbongo, tiens. Un partout, juste à la mi-temps. Garder ça comme ça, c'est dur, hein. Non, faut continuer, faut. Non, ils sont pas en train de performer well. Le truc, le problème, c'est qu'il faut leur dire qu'ils sont, ils ont pas été super bons. Alors, regarde ça plutôt pour l'instant, mais là je vais leur dire, je vais y aller en agressif. Ah, mais oui, il y a deux, putain, il y a deux cartons jaunes. Ah, il y a deux cartons jaunes en défense. Vite avant de faire n'importe quoi. Calm down. Non, calme. Calm down. Bon, pour le reste, on va leur taper sur la tronche. Énormément de fautes.
Je fais beaucoup de fautes alors que normalement on n'est pas en agressif. C'est bizarre. Bon, enfin bon. Essayer de se créer des occasions, même si ça fait des frappes de loin, c'est pas grave, il faut les repousser. Ils commencent à être fatigués alors que nous on est un peu plus frais, il faut commencer à y aller. Il faut commencer à leur rentrer dedans. Ah, non, non. Dommage, bien tenté. Encore. Voilà. Voilà, bien vu. But. Voilà, nous voilà qui traînaient en couronneur. 2-1. On revient devant. Eh ben. Il a fallu aller la chercher celle-là. Je vais garder comme ça jusqu'à la fin du match, je pense. Je passerai en positif si j'ai besoin de redescendre, mais. Regardez. On va regarder d'être créatif un peu plus. Pas parce qu'on mène que. Allez. Pressing. Voilà. Aïe, c'est une qui se fait prendre. C'est pas vrai ça. Aïe, entre Linguis qui me prend un jaune stupidement et lui qui fait n'importe quoi. Là-bas. Non, pas lui. Pas que. Le mec qui centre dans la tronche de l'adversaire. Aïe. On est où niveau fatigue là les gens? Ça va à peu près. J'oublie de faire rentrer quelqu'un. Bon, on va faire rentrer Rushiki à la place de Yuxel qui a rien à faire à gauche. Il a fait 6-50, donc c'est bien qu'il ait pas ce poste là logiquement. Moi, celui qui me fait criser, c'est Broder, c'est Nielsen. Sur le 2-2, là, et sur le deuxième but qu'on prend, il me fait criser mes forces des 1000. Depuis qu'on a réduit le tempo, on arrive un peu mieux à faire les passes, donc on va voir si on peut éventuellement éviter de frapper de loin. Ah, on est revenu dans le match juste en ralentissant le tempo quand on a la balle et ça fonctionne mieux. Mais pardon. Le but? Ah non, il y a un ralenti. Non. Oui. C'est plus ça que je voulais. Il n'y a aucun des joueurs que j'ai target qui sont sortis, donc. On est bon. Ah si, il y a l'IML, oui. Loop. DL peut-être aussi. Ah, il y avait quelque chose, non, il n'y avait rien. Et le MCL peut-être? Ouais, il y avait quelque chose sur le MCL, ok. Bien, Nielsen, encore. Et pas de faute par contre, pas long, pas long. Aïe. On peut pas le perdre ce match, je crois. On doit pas le perdre. Pas comme ça en plus. Pas dans les dernières minutes. Le problème d'équipe, c'est les dernières minutes. Et ça l'a toujours été apparemment. Tant pis.